L'US Saint-Georges-les-Ancises organisait ce samedi, toute la journée, son cinquième tournoi national U11 et U13. Plus de 350 apprentis footballeurs et 32 équipes venues des quatre coins du département, de la région et même de France s'étaient donné rendez-vous dans les Combrailles. Et pour la bonne cause, au profit de la lutte contre le cancer. Un très beau plateau et des jeunes prometteurs qui se sont donnés sans compter du matin jusqu'au soir. C'est l'équipe de l'ASM qui s'est imposée au tir au but contre Lemay en finale des U11, alors que Mozac l'a remporté en catégorie U13. Une très belle journée footballistique malgré un ciel menaçant qui se prolongeait le lendemain, dimanche, avec le deuxième tournoi vétéran de foot à 7 avec 10 équipes de la région. Un chèque de 500 euros a été remis à la Ligue pour la lutte contre le cancer par les organisateurs à la fin du tournoi.